Peut-être tous les sexes ne sont pas pareils. Nous avons peut-être quatre sortes de sexe. Le premier sexe, c'est le sexe de la Vierge. Écrivez, le sexe de la Vierge. Le sexe de la Vierge dans le monde spirituel a une valeur et une puissance très élevée. Voilà pourquoi même Dieu, pour devenir homme, il est passé par le sexe d'une Vierge. Frères et sœurs, vous devez savoir que le sexe d'une Vierge est un sexe qui est recherché dans le monde spirituel. Le fils des ténèbres, tous ces hommes politiques, ils cherchent des jeunes filles de mineurs pour les déflorer. Pourquoi ils le font? Une fille de 14 ans, tu le vois avec un gros papa comme ça, dans une grosse jupe. Qu'est-ce que ce papa de 70 ans cherche une petite fille de 14 ans? C'est vous qui ne savez pas. Le sexe d'une vierge a une valeur spirituelle très élevée. Et vous savez, quand vous lisez la Bible, ici je parle pas seulement d'une fille, je parle aussi des hommes. La chasteté est une richesse spirituelle. Quand vous lisez dans Apocalypse 14, verset 4, la Bible dit les gens qui accompagnaient l'agneau, c'était des hommes qui n'avaient jamais connu de sexe sur la terre. C'était des gens purs, la chasteté. Ils avaient une valeur spirituelle très élevée. La chasteté, c'est ce qui a fait la force de Joseph en Égypte. La virginité comme la chasteté, c'est l'innocence et la pureté. 1 Samuel chapitre 21, la Bible dit ceci. Un jour, David a faim. Il a couru, il a fait la guerre. Ils n'ont rien à manger. Il rencontre les sacrificateurs. Il dit, donnez-nous à manger. Les sacrificateurs a dit, nous n'avons que le pain de proposition. Le pain sacré, je ne peux pas vous le donner. C'est pour les sacrificateurs. Mais il dit, je peux vous donner. À condition que tous ces hommes de la guerre n'aient pas couché avec une femme dans les jours qui viennent de passer. David a dit devant Dieu, ça fait 3 jours, moi-même et tous ces hommes, aucune personne n'a couché une femme. On leur a donné le pain sacré. La chasteté, c'est la pureté, c'est l'innocence dans le monde spirituel. Voilà pourquoi les sexes de vierges sont sérieusement recherchés pour en faire des hôtels sataniques. Alors toi qui n'es pas encore défloré, tu as la chance d'écouter ces messages. Si tu donnes ta virginité à la mauvaise personne, tu as tout vendu de ta vie. Aussi le sexe d'une femme mariée. Le sexe d'une femme mariée est protégé. Est protégé par la puissance de la dot. Et cela est assorti avec une sanction biblique. Tu ne prendras point la femme d'autrui. Dieu va te punir. Parce que ce sexe est protégé par la puissance de la dot. Et maintenant, quand on veut voler l'aura d'un homme, on couche avec la femme de cet homme. Parce que c'est là où il y a la cuve de son aura. Et on va aller chercher ça dans le sexe de sa femme. Alors, troisièmement, le sexe, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'une femme libre, c'est un sexe qui n'est pas protégé. C'est un sexe libre. Mais faites attention, si tu ne le connais pas très bien, ça peut éteindre ta lumière. Quatrième sexe, c'est le sexe d'une prostituée. C'est le sexe le plus dangereux. Faites très attention. Les sexes qui couchent gauche à droite, ne venez pas ajouter votre corps à l'intérieur. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce que c'est un sexe passoire. Et la plupart des prostituées sont des sorcières. Vous, jeune garçon, vous voulez commencer votre premier sexe avec une prostituée, vous aurez le mari de nuit, le femme de nuit. Laissez-moi vous dire une chose. Les attaques spirituelles ont des conséquences physiques. Quand tu couches avec une femme de nuit, dans ton corps physique, tu vois la pollution, n'est-ce pas? Mais tu as couché spirituellement. Mais comment, dans le monde physique, tu vois la pollution? C'est toi qui veux commencer ta vie. Les parents ne sont pas là. Vous voulez aller en ville chercher une prostituée. Je connais des hommes qui sont passés par là. D'ailleurs, la plupart sont des sorcières. Vous le savez, ta voiture, tu prends une telle personne. Ma femme n'est pas là, tu l'amènes sur ton lit. Il faut être envoûté d'une manière, je ne peux pas comprendre. Quatrième sexe, le sexe de la prostituée. Le sexe le plus dangereux. Et regardez bien les enfants de prostituées. Oh, des mélanges. Tu regardes la tête de l'enfant, c'est comme les oreilles, comme parce que pendant la grossesse, il y a trop de mélanges. Vous savez que Dieu a interdit de mélanges, surtout pendant la grossesse. Est-ce que vous le savez? Laissez-moi d'abord vous dire quelque chose. Paul a maudit un homme dans Corinthe parce qu'il a fait le mélange. Il a couché avec la femme de son papa. Tu ne peux pas aller là où ton père est déjà allé. Même si ça te prend comme un jeune homme. Même si la femme de ton père est une fille de ton âge. Posez la question à Ruben. Genèse 49, Ruben a été maudit. Il a mélangé les sexes avec la femme de son papa. Et Paul a maudit cette personne. Il dit comment il peut le faire? On ne peut pas mélanger les sexes maman et la fille. Un homme qui a déjà couché avec ta mère ne peut pas coucher avec toi, jeune fille. Même s'il te donne des millions, il faut refuser cela. Il faut faire très attention.